Salut tout le monde, c'est Théo, comment allez-vous? Écoutez, moi ça va super bien. Le placement de produit est fini, c'est bon? On peut commencer? Bon allez, pas plus tard qu'il y a 5 minutes, j'ai trouvé ça dans ma boîte aux lettres. Bon d'accord, il y avait un carton, il y avait du papier bulle, c'est bon, vous inquiétez pas. J'ai réussi même à dégoter un petit Diner Lady édition Reviewer, ce qu'ils appellent les box. Donc on va commencer à parler tout simplement de ça. Qui est Diner Lady? Alors je me mets bien parce que ça sent bon, alors j'ai envie d'inhaler tout ça. Qui est Diner Lady? C'est une entreprise anglaise qui fait des liquides anglais. T'as vu? Je suis fort. Ils font des liquides anglais donc ils sont anglais. Je suis fort. Non, désolé, arrête. Je suis fort, c'est tout. Bon, trêve de plaisanterie, c'est anglais. Je remercie Kitty. Voilà, je remercie la personne avec qui j'ai parlé pour m'envoyer ce petit colis. Alors, je sais, j'ai un petit côté féminin. Ils me l'ont envoyé en rose. Arrêtez. Non, plus sérieusement. On en parle de ça? Bon, je suis pas un pro niveau photo. Je vous mets ça. Je vous laisse 5 minutes pour vous dire, bon, les mecs, est-ce que si on fait une photo en rose sur une boîte rose, est-ce que vous pensez que ça allait se voir? Bon, les anglais, c'est pas encore tout ça. Vous inquiétez pas, ça va arriver. Vous allez comprendre que du rose sur du rose, ça restera rose. Vous inquiétez pas, les amis, vous inquiétez pas. Non, plus sérieusement, Obi-Wan Vape, un peu tout ci, un peu tout ça, a déjà fait des revues. Donc je me suis dit, bah tiens, on va aussi faire une revue. Donc moi, je l'ai en rose. Bah écoutez, on va continuer de parler de Diner Lady. Ils ont fait ces 4 liquides-là, et même ceux en dessous, ceux-là sont les plus connus. Faut se le dire, ceux-là sont un peu moins connus. Moins, d'accord? Moins, ça fait plus. Vous avez ces colis, ces juices qui sont juste en dessous, qui sont un peu moins connus. Or, si vous allez sur le site internet, vous pouvez les payer. Je ne pense pas, je suis même sûr que ces paquets-là, vous pourrez les payer sur internet. C'est uniquement des packs de reviewers, rien de plus, rien de moins. Écoute, avant d'ouvrir ce petit colis, je tiens à te préciser que ça m'est gentiment été envoyé. On m'a pas forcé à dire que c'est du bien ou que c'est du mal. On m'a juste dit, bah tiens, on te file une boîte, t'en fais ce que tu veux. Si tu veux pas faire de revue, on s'en fout. Si tu veux faire une revue, on s'en fout. De toute façon, t'es français, on comprendra rien. Donc du coup, je peux dire que c'est de la merde. Pas non. Je peux dire que c'est de la merde, il ne le comprendra pas. Non, plus sérieusement, moi la boîte, je l'adore. C'est une petite mallette de transport. Et vous verrez qu'à l'intérieur, il y a plus d'un cadeau. Et je suis assez satisfait de cela. Bon, trêve de plaisanterie, on va ouvrir. Ça fait penser, quand ma soeur était petite, ça me fait penser aux boîtes de poupées. On a eu une enfance. J'ai eu une enfance, et oui, hélas. Donc on va commencer. Attends, je vais pas te montrer ça d'abord, attends, je vais pas te montrer le plus gros. Non mais, oh, t'es fou toi. On a une photo, bah oui, Bertrand a dû laisser ses photos, c'est resté collé. Bertrand, t'as pas géré sur ce coup-là, hein. Voilà, et en plus c'est que des filles, bah évidemment. T'es fou toi. Plus sérieusement, on a toutes les photos de Diner Lady, de l'équipe Diner Lady. Et sur les côtés, on aura quelques photos quand ils ont remporté leur... Alors, ils ont remporté un trophée, je ne sais plus si c'était du meilleur liquide, quelque chose comme ça en Angleterre. Donc voilà, ils ont remporté un trophée. Alors, c'est la Vape Expo 2016, le Viper 2016 et le NVE 2016. Donc ils ont remporté 3 trophées au total. Et donc là, vous avez un peu toute l'équipe qui est juste ici et la personne en noir. Oh, je suis raciste. Elle est habillée en noir, vous inquiétez pas. C'est la dirigeante. Voilà. C'est dit, ok? Si tu veux t'adresser à elle, tu la regardes droit dans. Regarde, adresse-toi à elle. Tu vois, tu t'adresses à elle. Non, mais c'est tout. Packaging très, très particulier. Alors, tu vois, moi, je suis un bon. Ça tient même pas. Voilà, ça ne tient pas. Bon écoute, on va parler du packaging directement. Alors moi je suis tellement exceptionnel. Ils se sont dit, attends, on va l'envoyer à Théo. On va lui faire une petite blague. Ils m'ont envoyé un stylo. Ah c'est bien un stylo. Un stylo, principalement, quand vous appuyez, voilà, vous avez un, ce qu'on appelle un stylo. Vous avez de l'encre, voilà. Et ben ils se sont dit, oh tiens, Théo c'est un comique. On va lui envoyer sans encre. Bah oui, je vous adore les anglais, je vous adore. Je comprends pas encore tout à fait votre humour, mais je vous adore. Donc voilà, on a un petit stylo Diner Lady que j'apprécie énormément, que ils sont bons. Ah bah,
Ah ouais, là-bas, ils ont carrément les stylos qui sentent, hein. Ça, t'as plus de liquide, tu sens, c'est bon, t'as ta dose, hein. Qui vient de chez Diner Lady, donc vous avez leur site internet que je vous mettrai en description, vapedinerlady.com. Voilà, donc le petit stylo qui fait plaisir, écoute. Ah mais oh, comme toi. On a une petite clé USB, ça tombe bien, je devais m'en racheter une, j'avais plus assez de trucs pour mettre mes films, alors voilà. Non, plus sérieusement, c'est une clé USB dont le contenu vous sera caché, évidemment. Il faudra payer 14,99€ en lien PayPal qui sera dans la description pour voir le contenu. D'accord, mon humour, faudra que je le revoie. Là-dessus, je suis tout à fait d'accord avec vous. Plus sérieusement, les liquides, je vous ferai une revue. Donc, il y a 4 liquides. Je sais compter 2 plus 2, ça fait 4. Et je vous mettrai chaque vidéo. J'essaierai de vous mettre par une vidéo par liquide directement le contenu de cette clé USB. Parce que c'est vrai, je connais des reviewers qui ont fait des revues. C'est le but d'un joueur. Mais qui n'ont pas montré le contenu de la clé. Donc, même moi, je m'interroge là-dessus. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a peut-être des photos compromettantes. Nous verrons cela dans la prochaine vidéo. On a une petite pièce, un petit jeton de caddie. Caddie Mastoc, hein, quand même. Caddie XXL. Non, plus sérieusement, on a une pièce que j'adore. Moi, ouais, j'adore vraiment. De toute façon, c'est juste marqué Premium Quality, Diner Lady. Voilà, c'est toujours cool. Et en fait, personne ne sait à trop quoi, qu'est-ce qu'elle sert. Moi, je pense tout simplement, c'est pour montrer leur... leur trophée, tout simplement, c'est pour vous dire, bah voilà, on a été premier. T'as pas le trophée, mais t'as la pièce. Voilà, je pense qu'au distributeur de café, ça passera pas à mon boulot. Bon, tant pis, écoutez. Et à travers ça, on a le Strawberry Ghost Star. Je vais essayer de le faire avec l'accent anglais. Le Contract Start. Le Rice Pudding. Et le. Voilà, c'est tout. Abonnez-vous, laissez un pouce bleu et au revoir. Mais non, mais t'es fou, t'as cru que j'allais te laisser comme ça? Oh, mauvaise langue. On a aussi un petit airbag. Non, je rigole, c'est une petite mousse, c'est toujours sympatoche. Je peux vous dire, le kilo, le... Une vidéo de Théo sans coupure, c'est pas une vidéo de Théo, ça c'est sûr. Donc voilà, on a ces 4 liquides, TPD ready, pas du tout, en Angleterre, Marisol, sans pas de l'estèque là-bas, hop, voilà. On est en 3 mg de nicotine, bah oui, elle m'a fait, what is your preference of your nicotine? J'ai répondu, 12, parce que je ne savais pas dire 3, alors j'ai fait 12. Elle m'a mis du 3. En plus, je lui avais dit, essaye pas de me claquer du 6 et je vais pas supporter, je vais te faire une revue de merde. Elle m'a mis du 3. Moi, je t'aime. Je te fais un bisou de la France, d'accord. Et là, vous avez, mais le must du must. The beautiful of the beautiful. The big collie of the big collie. Eh oui, je me plaignais toujours, j'ai pas de protection, moi. Eh ben, ils m'ont entendu en Angleterre, moi je te le dis. Hop. Bah ouais, attends. Attends, quand je fais mes résistances et tout, je suis toujours là en chemise, et ta. Ils se sont dit, il est fou, lui. Qu'est-ce qu'il nous fait? On va lui donner un tablier, on s'en fout, de toute façon la stagiaire on l'a virée, alors allez donne-lui un tablier, va être content, Spuno. Mais j'ai un tablier, ben oui, mais de toute façon tout le monde, tous les renouvelants l'ont eu. Même pas mon petit nom, tu vois, même pas ma benda. Et t'as vu, ils se sont dit, ben non, mais. Allez, on va lui donner un tablier, il fait toujours son sagouagoua comme ça, c'est bon. Non mais les Anglais, je vous adore. Merci pour le tablier. Thank you very much. Je vais me faire déglinguer dans les commentaires pour le thank you very much. Oh, c'est bon, attends, j'ai pas un accent de folie. Donc oui, c'est marqué Diner Lady, hashtag gros placement de produit pour leur site internet. Merci, je ne savais pas comment vous mettre le petit produit en avant. Je vous remercie énormément. En plus, c'est encore sous blister. Bah oui, parce que j'ai un liquide qu'on m'a demandé de reviewer. Alors, c'est drôle, je pense que c'était un peu du foutage de visage. L'entreprise, j'ai carrément renvoyé un email demandant. On se moque de qui? Le liquide, si vous voulez, c'est un flacon de 30 ml. TPD is not ready. Ben oui, évidemment. 3 mg de nicotine.
Ouais, d'accord, 30 ml, t'es censé avoir 30 ml de juice. T'avais même pas 5 ml de juice, d'accord. C'est rien, Bertrand. La pipette en verre. Bah non, ça sert à rien. Attends, on va te casser la moitié de la pipette, ça sera largement mieux. Donc voilà, c'était un peu dangereux de me laisser des morceaux de verre dans la pipette, sachant que je l'ai mis en mode bourrin dans mon limitless. Voilà, c'était un peu dommage. Et ce n'était pas du tout le goût que je devais retrouver. Bah écoutez les amis, c'est pas trop grave. On me demande de tester un liquide, je dis oui, je donne mes préférences et on me donne pas ça. Oui, si vous voulez, écoute. Alors là, elle a pas fait ça difficile, elle fait, il aime ça, il aime ça. Hop, allez, hop, on envoie un colis, c'est parti, c'est parti. Le truc, attendez, attendez. 4 semaines. Ah oui, bah, les Anglais font pas ça à moitié, ils prennent leur temps. Ah bah, 16h c'est le thé, 16h30 c'est le goûter, 17h c'est le thé, 17h30 c'est fini. Tout le monde part chez soi. Ah bah, attends, t'es fou toi. Alors, moi là-dedans, il y a un liquide qui me donne, mais c'est le... Il sent tellement bon. C'est le cupcake tart. Alors lui, je vous en ferai une revue, mais bien sale. Alors vous inquiétez pas, hein, c'est pas jaune translucide, c'est pas rouge, c'est pas blanc. Hein. Non. C'est Bertrand, il a mis de la peinture, ouais. Non mais je te jure, Bertrand en ce moment il fait beaucoup de conneries je trouve. Alors je tiens aussi à m'excuser, il n'y a pas beaucoup de vidéos en ce moment. Bah ouais mais Théo il attendait le colis aussi. Attends, c'était envoyé par UPS, UPS ils prennent leur temps. Tralala. Donc voilà, bon allez, encore une fois je remercie Dainor Lady, thank you very much. Je vous mettrai le lien de leur achat, le lien de leur shop en description, ce qui est tout à fait normal. Je vous rappelle encore une fois que c'est un placement de produit, je l'ai fait comprendre, je m'en vante pas, loin de là. Beaucoup de personnes connaissent Dainor Lady, maintenant il est qu'en flacon de 10 ml. Donc vous inquiétez pas, je vous ferai des revues de chacun de leurs liquides. Je n'ai pas été payé ou autre, je vois déjà les commentaires. Par rapport aux commentaires, tiens, parlons-en, tous vos commentaires sont lus. Si je trouve qu'il faut répondre, bah j'y réponds, ne vous inquiétez pas. Mais bon, je m'excuse encore une fois d'avance du manque d'activité sur la chaîne, tout simplement, et vous inquiétez pas, là, il y a de la vidéo qui arrive. Voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus? Bonne vape à tous, et comme disent Dainor Lady, we come, we vape, we conquer raid! Je la refais sans accent. We come, we vape, vapeed, je n'avais pas vu le ED. We vapeed, et we conquer raid. D'accord. Voilà. Bon allez, sur ce, je n'ai pas mon limitless. Bah oui, écoutez, mon limitless a eu une petit accident. Je vous raconterai ça prochainement. Petit, hein, petit accident. Juste le pire instrument. Je te jure, sur ce coup-là, c'est pas moi. Je te l'expliquerai dans une prochaine vidéo, je te jure, désolé. Bah voilà, je vais pleurer. Bon allez. Plus sérieusement les amis, je vous laisse sur cette petite vidéo. On se retrouvera demain pour le premier liquide. Je vous ne dirai pas lequel c'est. Je vous laisse deviner. Je vous laisse deviner. Mais oui, je vous laisse deviner. Tu devineras, hein. J'espère que tu devineras. Hein. Allez, sur ce, je vous laisse. Bonne vape à tous. C'était Théo. Ça fait encore un énorme plaisir de recevoir ce colis. Thank you very much. Dainor Ladies, yes we can. I have a good English. Bonne vape à tous. Si vous avez testé leur liquide, dites-moi, j'ai testé le lemon tart. Version d'ail, horrible. Bon, bref. Donc là, j'ai le lemon tart. Bertrand, il a mis du fluo. Alors, j'espère qu'il sera pas fluo. Voilà. Ah, je vous jure, hein, maintenant, les liquides, on va me demander où est-ce que je suis. C'est suis mon flacon, tu me retrouveras. Bon, allez, plus sérieusement, je vous laisse, les amis. Prenez soin de vous. N'oubliez pas que nous sommes la résistance, comme le DM des pampans. Et comme le disait l'ami Vince, paix à toi, petit Vince. Pour une vape libre, il faut vaper. Je pense pas qu'il ait dit ça. Je pense pas. Bon, on va aller voir avant ce qu'il a dit. Pour une vape libre. Voilà, c'est lui. Il a juste dit ça. Vous pouvez plein de poutou-poutou. C'était Théo. A très bientôt. Prenez soin de vous. Tchuss!
light may feel gorgeous. The night you pick me up and gaze with your blue eyes. I couldn't decide, I couldn't choose right. God, I couldn't be.